Hello tout le monde, c'est Astro de Jeu Pas Cool. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui fête enfin, l'ouverture de la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Bon, bah, j'espère que vous allez aimer cette vidéo. On va regarder cette vidéo jusqu'au bout déjà. Et puis, à la prochaine. Hello tout le monde, c'est Astro de Jeu Pas Cool. Aujourd'hui, bah, c'est le lancement de la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Donc c'est l'ouverture du Brésil contre la Croatie. Donc je vais vous commenter ce match. Alexandre Padoire, reste. Ouais, c'est contre la Croatie. Ça joue au Corinthians Stadium, je crois. Oui, enfin, si c'est ça. Mais non. Enfin, oui. C'est... non, pas sur FIFA en fait, mais dans la réalité, oui. Donc, sur le papier, il n'y a pas photo. C'est le Brésil qui devrait gagner. Mandzukic. Kradia. Non, j'arrive pas à dire. Modric. Ah, Vucevic. Vucevic, bref. Corner. Ça sera sûr. Ah non, repoussé par une tête brésilienne. Ramirez. Robinho. Ramirez. Robinho. Ah, intéressant. Est-ce qu'il va la mettre à Ramirez? Ramirez. Ah, tellement drôle. Il va la mettre à Robinho. Ah, je m'amuse trop. Lucas Leva. Ramirez. Robinho! Non, c'est rien passé en fait. Donc, ça sera pour Dani Alves. Dani Alves, numéro 7. Ramirez! Oh, c'est dommage. Ouais, ça a rien tenu. Ramirez. Gonzo. Lucas Leva. Alexandre Pato qui continue comme ça. Agonzo. Ah, il n'a pas passé. Pour le moment, c'est le Brésil qui attaque et qui a la possession de balle. Et la Croatie qui défend. Gonzo. Lucas Leva. Modric. Mandzukic. Bref quoi. Kradia. Mandzukic. Mandzukic est centre. Ah, c'est arrêté par Julio César. Modric. Mandzukic. Modric. Ah non, il l'a pas. J'allais dire le prénom compliqué, enfin le nom. Ce sera pour Lucio. Lucio, ouais. Thiago Silva. Ramirez. Thiago Silva qui évolue au PSG. Ramirez qui évolue, je ne sais pas où. Ah. Thiago Silva. Gonzo. Lucas Silva. Alexandre Pato qui l'a pas. Donc pour le moment c'est une grande possession brésilienne. Neymar qui évolue au FC Barcelone. Corluka qui a la balle ah, pour Modric. Il va la mettre à Mandzukic, pas même pas. Robinho Ramirez. Robinho. La mère Ramirez, Ramirez. Pour Robinho. Penalty! Penalty! Oui, de Simunic qui fait la faute. Donc les supporters brésiliens, ça sera Neymar qui va la tirer. Où est-ce qu'il va la tirer? Il tire à gauche. Non, poteau. Alexandre Pato, il tire et c'est le goal. Il est blessé. Ah le con. Mais oui, c'est goal, c'est goal. Eh oui, 44e minute.
Après le pénalty raté de Neymar qui frappe sur le poteau, ça sera une passe pour Pato. Enfin, c'est Pato qui la chope. Regardez, Pato il l'a. Il dribble quelques joueurs et il marque. C'était comme si c'était une passe, mais ça ne l'est pas. À moins que c'était volontaire de Neymar, mais je pense pas. Mais heureusement, il s'est rattrapé en faisant cette passe. Enfin, indirectement, Modric. 1-0 pour le Brésil. Donc voilà. Même pas sur un penalty, sur une frappe, on finesse. Vers le petit filet. Srna. Ah, il est sorti. Ah non, 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 c'est la mi-temps. Attention. On va revoir les ralentis. Ça, c'était le centre très dangereux puisque le défenseur aurait pu la toucher. Le tir de Neymar qui est raté. Et la reprise de Pato qui tire sur le pied son pied droit et qui marque. Voilà les statistiques. Un but à zéro, deux tirs. Un tir cadré pour le Brésil, c'est le but. Zéro pour la Croatie. 57 de possession à 43. Ah, je croyais que c'était plus, franchement. Un tacle à 6. La Croatie est très agressive là. Une faute partout. Zéro carton jaune, zéro carton rouge. Une blessure d'Alexandre Pato, je crois. À 0 pour la Croatie. Zéro hors-jeu. Un corner pour la Croatie. Puis ensuite, 50% de précision de tir pour le Brésil, tandis que 0 pour la Croatie. 94 de précision de passe. Pour son précision de passe pour le Brésil, 76 pour la Croatie. Ouais, c'était 76. Bon, bah, on va continuer le match. Ce sera Mandzukic qui devra faire la passe. Voilà, à Eduardo. J'ai vu, oh, bref, Modric là. Mandzukic. Kranjer, ah, bah non, il l'a même pas abusé. Bref, Daniel Alves, Ramirez. Franchement, le Brésil, je trouve pas qu'il joue vraiment comme ça. Je trouve qu'il joue différemment. Là, ils font des passes, alors que d'habitude, le Brésil, c'est plus on fonce dans le tas, dribble. Enfin, c'est l'image que j'ai du Brésil. Robinho. Il devrait la remettre à Ramirez. Il joue tout seul là. Ah, Ramirez, il l'a mise. Gonzo qui tire, contré par un joueur croate qui était tombé. Ah! Oui, c'est un penalty encore une fois de Neymar. Ouh, deux penalties, c'est magique. C'était une main de Lovren. Il s'est arrêté, il a tiré, c'est le goal! C'est le goal! Il s'est rattrapé de son penalty raté. Il aurait pu en marquer deux, il s'en sera peut-être voulu. Enfin, il s'en voulait peut-être. Donc il l'a rattrapé, il s'est arrêté et c'était sur sa gauche et sur ma droite. Enfin, là c'est à gauche. La main de Lovren, je crois, un défenseur. Bref. 2-0. Des buts assez hasardeuses, on va dire. Enfin, pas le premier parce que c'est pas un penalty. Enfin, bref. Mandzukic qui passe par Ramirez. Gonzo. En profondeur pour Robinho. Robinho qui devrait centrer pour Pato, je crois. Oh, je crois bien, mais non. C'est ce joueur qui l'a arrêté. Lucas qui entre pour Ramirez. Donc c'est un corner d'André Santos qui va le faire. Il la met sur la tête de Gonzo, je crois. Non, je vois pas. Mais non, c'était arrêté par la défense. Robinho, André Santos. J'ai pas vu le joueur croate qui est sorti par contre. Gonzo. Ah, Lucas Levas. Alexandre Pato qui l'a pas arrêté pour, bref, pour pouvoir la prendre. Donc, c'est Modric qui l'a. Modric toujours. Ah, Djelavic. C'est Djelavic qui est entré peut-être. Kranjar pour Modric. Ah, Djelavic. Kranjar, bref, j'arrive pas. 78e minute. Oh non, 68e minute pour Vukovic. 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 Bref.
Lovren qui la touche pour Modric. Kranjar. Bref quoi. Djelavic. Il a passé un joueur, c'était extraordinaire. Ah, c'est reprise par Thiago Silva. Strna. Strna. Qui fait un centre sur la tête d'Eduardo. Ouh. Le joueur brésilien était dessus, mais il a raté. Et c'est le goal. Wow, c'est vraiment un match spécial. Les Croates qui ne se laissent vraiment pas faire après le 1-0, le 2-0, puis le 2-1. Gonzo. Lucas. Ouh, il l'a dribblé. Il tire! Ouh, sur son pied gauche. Je sais pas si c'est Lucas Moura, le joueur qui joue au PSG. Mais je crois bien, je crois bien. C'est pour. Ah, un tacle! Vraiment. Il était un peu en retard, on va dire. On va Vukotevic sur. À l'écran. Bandel pour Vukotevic. Bandel qui sort. Qui entre pour Vukovic. Un coup franc normal. Enfin, Alexandre Pato qui va la jouer. Non, il fait rien. Oui, il fait une passe à Robinho. Robinho qui continue tout seul. Il continue, il s'est fait prendre la balle. Par Lovren, c'est ça? Ouais, c'est par Lovren. Je suis pas sûr, mais ouais. C'est à 84e minute. Badelvine. Tiranic. Djelavic. Ah, il l'a sorti. Le joueur brésilien l'a touché. C'est un corner pour les Croates. À l'écran, on voit numéro 5. Je sais pas qui c'est. Lucio, peut-être. Lucas. Donc, c'est Sandro qui sort pour Lucas Leiva. Voilà. Un corner pour Strna qui va la tirer. La tire, ça sera pour personne. Enfin, avoir un joueur adverse. Comme le commentateur le dit, c'est tellement hilarant. Modric qui a passé en. Ouais, qui passe à Djelavic, qui a passé en brésilien avant. Djelavic qui essaie. Il tire, c'était raté. Dommage, il y avait de l'idée. Ouh, c'est dommage. C'était juste la finition qu'il a ratée. Donc, on va la revoir 20 milliards de fois. Boum, raté. Donc, ce sera pour Julio César. C'est à 90e minute. Il la passe à Lucio. Lucio qui dégage. Ce sera pour Neymar. Neymar, Neymar. Neymar, Alexandre Pato. Ce sera une contre-attaque. Gonzo. Gonzo qui a de la possibilité pour Robinho. Robinho qui peut tirer. Il tire. Oh, c'était dommage. Bon bah le match est fini. Non, oui, là il est fini. 2 à 1. Bravo, bravo. 44 minutes d'Alexandre Pato. Puis après, 10 minutes après, enfin sur le compteur, c'est Neymar qui la marque. Et à la fin, à la 75e minute, c'est Eduardo qui met une tête. Donc les Croates sont un peu tristes, mais c'est pas grave. Donc le centre. Désolé. Le centre magnifique. Enfin magnifique, ouais. Là, c'est Pato qui tire en finesse et qui marque. Là, c'est le but de Neymar. Et là, c'est le but de d'Eduardo. Boum, une tête. Julio César ne pouvait rien faire. Bon, bah, merci d'avoir regardé cette vidéo. Homme du match, Julio César ou Alexandre Pato. Et puis. Ah, c'est Mandzukic qui était sorti pour Jelavic. Ah ouais, je me suis dit. Pourquoi? Je sais pas. Bref, c'est Rougnet qui est homme du match. Bon, bah, merci. On croit si. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, à la prochaine. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, bonne Coupe du Monde, si ça se dit. Et au revoir.